Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle séance d'hypnose sur le lâcher prise. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Et je vous retrouve donc ce soir pour vous partager une expérience autour du relâchement, autour de l'acceptation, de la résilience, du lâcher prise donc, dans laquelle en fait nous allons effectuer un grand voyage intérieur dans lequel je vais vous guider à travers ma voix et à travers mes suggestions. Donc la seule chose que vous allez avoir à faire pour que ce voyage se passe de la meilleure des manières va être de vous installer confortablement dans un endroit calme et peut-être vous munir d'une paire d'écouteurs ou d'un casque audio afin d'être simplement pleinement immergé dans la séance d'hypnose et que vous ne soyez pas perturbé par tout ce qui peut se passer autour de vous. Si à certains moments de la séance vous ressentez certaines sensations particulières comme des sensations de froid, de chaud, de lourdeur ou de légèreté, des tremblements au niveau des paupières, des fourmillements au niveau de la peau, une déglutition répétitive, dites-vous que c'est parfaitement normal, ce sont simplement des signaux en fait qui apparaissent lors de certaines séances d'hypnose. Donc si ces sensations vous parviennent ou encore si certaines images ou si certaines idées parfois vous emportent encore autre part, dites-vous que c'est très bien comme cela. Laissez-vous simplement aller, laissez-vous simplement guider par ma voix mais également par votre inconscient et tout se passera pour le mieux. Également, avant de nous lancer dans cette séance d'hypnose, il me semble important de vous signaler que je vais me permettre d'utiliser le tutoiement durant toute cette expérience hypnotique. L'idée en fait en utilisant ce tutoiement, c'est simplement que l'on puisse en fait ajouter de la proximité d'inconscient à inconscient pour que cette séance soit plus profonde mais également peut-être plus personnalisable. Donc à partir de maintenant, je vais simplement m'autoriser à te tutoyer et donc bien une fois que tu seras prêt, je vais simplement te laisser avec ma voix qui va t'accompagner dans cette séance d'hypnose et je te souhaite donc une excellente expérience hypnotique. Bien. Une fois que tu seras prêt à plonger dans cette expérience, je vais simplement t'inviter à fixer un point, si tu le souhaites, en face de toi. Si cela est trop inconfortable, alors tu vas simplement pouvoir fermer les yeux directement. Mais si tu préfères fixer ce point, alors tu vas simplement sélectionner un point en face de toi, n'importe lequel. Et commencer à figer ton regard, comme si ce point était la chose la plus importante à observer dans cet instant précis. Comme si l'espace d'un instant nous pouvons oublier tout le reste, tenter de faire le vide à l'intérieur. Observer uniquement ce point et tenter même de ne pas cligner les yeux, de laisser le regard fixe, figé. Et en faisant cela, nous allons progressivement faire en sorte d'augmenter notre niveau de présence, de le rendre plus intense. Et pour ce faire, toujours en fixant ce point, je vais t'inviter à être attentif à tous les sons environnants. Il y a le son de ma voix. Il y a une musique qui commence à m'accompagner. Il y a peut-être d'autres sons présents un peu plus loin. Tu vas également pouvoir commencer à être attentif au son de la respiration, à son mouvement. Ressentir les mouvements de la poitrine, ressentir les mouvements d'inspiration et d'expiration, comme une première invitation à nous relâcher à chaque expiration. Et progressivement, tu vas pouvoir commencer à être attentif au corps et aux différentes parties du corps. Peut-être même les différents points de contact qu'il peut y avoir entre les pieds et toute autre chose, ou encore ressentir la position dans laquelle tu es actuellement installé, la position que ton corps adopte pour pouvoir être installé le plus confortablement possible en cet instant. Et alors en écoutant les sons, en ressentant les sensations, en étant attentif à la respiration,
Les yeux fixés sur ce point, tu vas pouvoir t'autoriser, après une profonde inspiration, à relâcher les paupières et à fermer les yeux pour plonger progressivement à l'intérieur de soi. Très bien. Et alors progressivement, les paupières confortablement installées, qui ont gagné en lourdeur, tu vas pouvoir commencer à être attentif à ta respiration, peut-être plus même. Commencer à l'observer, à la ressentir profondément. Être à la fois observateur de ce mécanisme inconscient et à la fois acteur d'un processus que l'on peut conscientiser. Tu vas pouvoir commencer à prendre de profondes inspirations, suivies de profondes expirations pour pouvoir commencer à relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché en cet instant, avant de prendre une nouvelle profonde inspiration. Comme si nous inspirions du calme, de la sérénité, de la résilience, avant d'expirer tout ce que nous souhaitons rejeter, relâcher en cet instant. À nouveau prendre une profonde inspiration de sérénité et relâcher tout ce qui nous encombre. Comme si nous pouvions imaginer que notre corps relâche, rejette une certaine couleur lorsqu'il expire, et comme s'il inspirait une nouvelle couleur bien plus pure, bien plus saine, bien plus sereine à chaque inspiration profonde. Avant de souffler profondément. Et alors ton inconscient va pouvoir progressivement adopter ce nouveau rythme de respiration plus profond pour commencer à gagner en relâchement, en relaxation naturelle, à permettre à l'esprit de pouvoir s'apaiser naturellement, à permettre à l'inconscient et le conscient de pouvoir travailler ensemble comme deux parties qui se rencontrent, comme deux parties qui s'apprivoisent, qui commencent ensemble à danser vers une harmonie, vers un but commun, celui de générer un relâchement profond à différents niveaux de notre être profond. Et alors progressivement, toujours en laissant cette respiration s'approfondir naturellement, et nous inviter à gagner en relâchement. Je vais t'inviter simplement à effectuer une relaxation corporelle en partant du haut du corps vers le bas du corps pour pouvoir relâcher chaque partie, pour pouvoir l'inviter à se détendre profondément, à gagner en calme, en sérénité, en apaisement. Et pour ce faire, tu vas pouvoir commencer à ressentir le sommet du crâne, ressentir le front, et simplement imaginer avant de ressentir que le front se relâche, s'apaise, se lisse progressivement. Commence à effectuer une détente naturelle, naturellement agréable. Puis ensuite, en suivant ton propre rythme, tu vas simplement pouvoir imaginer que cette sensation, cette détente qui prend naissance au sommet du crâne va progressivement glisser le long du corps, étage après étage, pas
partie après partie, en suivant simplement ton propre rythme. En imaginant peut-être comme un fluide de relâchement qui venait parcourir tout le corps pour traverser le visage en relâchant les joues, la mâchoire, avant de relâcher la nuque, le cou, les épaules. Au fur et à mesure, les bras vont également gagner en relâchement, en relaxation profonde, comme s'ils s'apaisaient, comme s'ils s'endormaient pour pouvoir se régénérer pleinement. Et tu vas naturellement pouvoir continuer à imaginer ce chemin, cette sensation qui glisse le long du corps. Et en faisant cela, peut-être que tu vas commencer à ressentir une certaine forme de lourdeur, comme si tout le corps devenait légèrement plus lourd, plus relâché, plus détendu. Et tu vas alors simplement laisser ce mécanisme opérer, glisser le long du torse, le long du ventre, le long du dos. Pour relâcher toutes les pressions qui peuvent être présentes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Laissez glisser cette sensation jusqu'au bassin. La laisser glisser le long des jambes, en passant par les cuisses, par les genoux, en suivant ton propre rythme, avant de glisser le long des mollets, des chevilles et des pieds. Tu vas simplement comme visualiser intérieurement cette sensation de relâchement profond, comme si on pouvait laisser glisser tout ce qui nous encombre, le laisser sortir de notre corps en glissant vers la racine des pieds. Comme si même la terre qui était présente en dessous de nos pieds va pouvoir réceptionner ces énergies et les recycler à sa manière. Comme si on pouvait simplement se débarrasser de toute pression nécessaire à notre sérénité et à notre bien-être en cet instant. En laissant tout le corps se relâcher et gagner en lourdeur. Entrer dans un espace de régénération progressif. Entrez peut-être même comme dans une bulle de sérénité. Et alors progressivement, pour pouvoir aller plus loin dans cette expérience, je vais d'ici quelques instants t'inviter, après un décompte de 1 à 3, à prendre une profonde inspiration en ouvrant les paupières et à fermer les paupières en expirant. Et nous allons faire cela 3 fois pour pouvoir approfondir cet état de relâchement, de lâcher prise, d'accès vers la sérénité, vers la résilience et vers la paix intérieure. Et nous allons pouvoir commencer une première fois avec le 1, le 2, et le 3, en ouvrant les paupières, en prenant une profonde inspiration. Puis fermer les paupières en les relâchant profondément en expirant. Très bien. Et
et nous allons pouvoir recommencer. Avec le 1, le 2 et le 3, prendre une profonde inspiration en ouvrant les paupières et relâcher complètement les yeux en expirant. Et nous allons recommencer avec le 1, le 2 et le 3 en ouvrant les paupières. Prends une profonde inspiration avant de les laisser se relâcher pleinement et devenir deux fois plus lourdes sur notre expiration en soufflant profondément. Très bien. Et alors progressivement, ces paupières vont devenir de plus en plus lourdes, tellement lourdes qu'on va presque avoir la sensation comme s'il devenait impossible de les réouvrir l'espace de quelques instants. Nous allons simplement même faire comme si nous essayions d'ouvrir les paupières et qu'elles étaient tellement lourdes, tellement confortablement installées, que nous préférons simplement rester les yeux fermés pour toute cette expérience. Progressivement, nous allons pouvoir imaginer qu'il y a comme un nuage présent sous notre corps. Un nuage d'une couleur particulièrement apaisante. Une couleur qui nous invite presque au lâcher prise, à l'acceptation, à la résilience. Un nuage qui pourrait venir nous transporter. Un nuage qui pourrait même transcender le temps et l'espace, pour pouvoir effectuer tout type de voyage intérieur bénéfique pour notre évolution. Et alors, en étant confortablement installé sur ce nuage, je vais simplement t'inviter à imaginer que tu te situes sur un bateau, sur la mer, en direction d'une île, l'île de la sérénité et du relâchement. Tu vas pouvoir progressivement commencer à imaginer, avant de ressentir, les mouvements de ce bateau. Imaginer les couleurs, l'odeur de la mer, les sons du bateau qui avance, la température avec le soleil qui vient comme caresser la peau à travers ces rayons lumineux. Et alors, sur ce bateau, tu vas imaginer également qu'une personne que tu connais, qui te rassure, est présente. Une personne qui va pouvoir rester à tes côtés pour toute cette expérience, qui va pouvoir comme veiller sur toi et t'accompagner sur ce chemin avec amour et bienveillance. Et alors, sur ce chemin, sur ce bateau, tu peux être attentif aux différentes odeurs, aux sensations du corps lorsque le bateau avance. Avant de percevoir à un moment donné ce bout de terre, cette île qui se présente en face de toi. Une île qui semble être accueillante, charmante. Au premier abord, on a simplement envie d'aller l'explorer, de partir à sa rencontre. Et alors, progressivement, en t'approchant de cette île avant de larguer les amarres, tu vas devoir également récupérer un sac à dos, un sac qui t'appartient, un sac qui est rempli de tout ce dont tu souhaites te débarrasser aujourd'hui. Il y a peut-être des symboles ou des objets qui viennent symboliser tout cela. Il y a peut-être des mots, des lettres, des cailloux qui viennent simplement représenter toutes ces choses qui t'encombrent et qui alourdissent ton esprit,
dans le quotidien. Tu vas alors pouvoir mettre ce sac sur ton dos et commencer à sortir du bateau pour pouvoir arriver au niveau de la plage de cette île. Et progressivement alors, tu vas pouvoir ressentir la sensation de tes pas lorsque tu marches sur la plage, lorsque tu avances. Tu peux observer le mouvement de la mer qui va et vient. Ce mouvement des vagues qui progressivement emporte le bateau vers une toute autre direction. Et alors progressivement tu vas pouvoir continuer de ressentir tout ce que tu peux ressentir lorsque tu marches sur cette plage. Avec ce sac sur le dos, tu vas également commencer à ressentir une forme de lourdeur, une forme de fatigue. Ce sac et tout ce qui est présent à l'intérieur représente tout ce qui peut t'encombrer dans ta vie du quotidien. Tout ce que tu souhaites lâcher, tout ce dont tu souhaites te débarrasser aujourd'hui. Mais pourtant tu vas continuer d'avancer sur cette plage, continuer de marcher, tout en observant tout ce qu'il peut y avoir à observer autour de toi. Ressentir le mouvement des pas, ressentir la chaleur, observer les formes, les couleurs, entendre les sons, et plonger complètement dans cette scène. Dans cet instant. Et alors, en continuant de marcher, tu vas pouvoir, à un moment donné, ressentir qu'il y a comme un choix qui s'offre à toi. Si tu le souhaites, tu pourrais simplement t'arrêter quelques instants, retirer le sac qui est sur ton dos et simplement l'ouvrir pour progressivement t'autoriser à vider ce sac, à jeter tout ce qui est présent à l'intérieur, tous ces cailloux, toute cette lourdeur, tous ces symboles, tous ces mots, toutes ces émotions, toutes ces images dont tu souhaites te débarrasser aujourd'hui. Tu vas pouvoir simplement, si tu le souhaites, prendre chacun de ces symboles et les jeter à la mer. Cette mer particulière qui sait exactement comment recycler tout ce dont tu vas te débarrasser aujourd'hui. Comme si elle allait pouvoir l'absorber pour le transformer en quelque chose de nouveau, en quelque chose de léger, en quelque chose de doux, de serein. Et alors en prenant tout ton temps, tu vas pouvoir t'autoriser à visualiser cela, à t'imaginer prendre chaque chose et commencer à les jeter à la mer pour les voir disparaître progressivement, tout en leur disant adieu et bon débarras. Peut-être même qu'à chaque fois que tu vas jeter quelque chose, tu vas ressentir comme un poids qui se libère, comme une sensation de légèreté qui grandit naturellement en prenant tout ton temps.
Et alors progressivement, une fois que tu commenceras à observer le fond du sac, une fois que celui-ci sera simplement vidé, vidé de tout ce qui pouvait t'encombrer, tu vas pouvoir le remettre sur ton dos et accueillir la légèreté de celui-ci. Une sensation tellement légère que tu vas pouvoir reprendre ton chemin sur la plage et pouvoir même marcher beaucoup plus vite, comme si nous pouvions faire une avance rapide. Peut-être même que tu veux observer autour de toi les couleurs avec plus d'intensité, comme si elles étaient plus brillantes, plus accueillantes. Lorsque nous nous autorisons à relâcher tout ce qui nous encombre, notre perception de la réalité peut progressivement évoluer. Nous allons progressivement changer notre centre d'attention, inconsciemment et naturellement, pour prêter notre regard uniquement sur des choses qui sont bonnes pour nous, qui nous rendent plus sereins, qui nous apportent plus de bien-être et qui nous permettent simplement d'évoluer sur notre route. Et alors toujours en arpentant ce chemin, tu vas à un moment donné voir au loin une présence, un personnage, qui en réalité est l'incarnation d'une partie de ton inconscient. La partie qui par moment peut avoir du mal à lâcher prise. La partie qui peut avoir tendance à résister par moment et à nous empêcher d'être pleinement présent, d'être pleinement serein. Et plus tu avances et plus tu vois cette partie se dessiner, représentée par un personnage, réel ou fictif, peu importe. Tu vas simplement accueillir ce personnage avec beaucoup de gratitude, car sa présence aujourd'hui est là pour une raison. Tu vas pouvoir prendre quelques instants pour interagir avec cette partie inconsciente. Tu vas pouvoir lui partager tes désirs, mais également écouter tout ce qu'il peut avoir à te dire. Tu vas pouvoir la conseiller et écouter ses conseils, simplement dans l'amour et la bienveillance, autoriser un dialogue, un échange, pour pouvoir ensemble créer une harmonie vers un lâcher-prise naturel et quotidien, vers une résilience qui va s'ancrer de plus en plus, naturellement. Et quant à moi, je vais laisser quelques instants de silence pour que tu puisses accueillir cette partie inconsciente et que vous puissiez interagir ensemble. Et je reprendrai la parole d'ici quelques instants. Et je vais alors commencer à reprendre la parole. Mais si tu souhaites simplement m'écouter en arrière-plan, alors tu vas pouvoir le faire très simplement et continuer ton dialogue.
lorsque tu te sentiras prêt. Je vais simplement t'inviter à remercier cette partie inconsciente avant de lui dire au revoir, avant de l'imaginer progressivement disparaître, prendre de la hauteur ou simplement prendre son envol. Et alors, au moment où tu vas la voir disparaître, tu vas pouvoir ressentir comme si une grande sensation de légèreté s'invite à l'intérieur. Une sensation comme si nos bras commençaient à flotter dans les airs, comme si nos pieds devenaient plus légers, commençaient presque à léviter progressivement. Comme si, si tu le souhaitais, tu pourrais t'envoler là, sur cette plage, tellement léger, tellement légère, qu'on pourrait s'envoler. Ressentir comme si nous pouvions flotter, inverser la pesanteur et commencer à nous mouvoir d'une façon encore inédite. Tout en ressentant de la gratitude pour cette sensation de légèreté qui naturellement va continuer de grandir au fur et à mesure que l'on s'imagine s'envoler au-dessus de cette île. Et alors progressivement, toujours en ressentant cette légèreté, j'aimerais que tu te rapproches du centre de l'île, de son cœur, et que tu puisses comme atterrir au niveau de ce centre pour observer un paysage magnifique, très accueillant, très coloré, avec comme des lueurs qui dansent autour des arbres, autour des symboles, différentes couleurs. On aurait presque la sensation que cet environnement est magique, une énergie particulière, particulièrement bienveillante, ressourçante, transformatrice est disponible ici. Et alors progressivement, lorsque tu vas t'installer sur le cœur de cette île, tu vas simplement pouvoir ôter le sac que tu as pu remettre sur ton dos et qui a été vidé précédemment. Tu vas pouvoir poser ce sac par terre au niveau du centre et tu vas pouvoir imaginer qu'il y a plein de lueurs, plein de couleurs qui pourraient représenter la sérénité, la tranquillité, l'amour, la paix, l'apaisement, la résilience, l'acceptation et qui viendraient comme s'inviter à l'intérieur de ce sac pour que tu puisses simplement les emporter avec toi à l'issue de cette expérience. Mais pour le moment, tu vas simplement être observateur de ce phénomène, de toutes ces lueurs qui rentrent à l'intérieur du sac et que tu peux observer d'un autre point de vue. Et alors, en observant cela, tu vas avoir comme une sensation de bien-être supérieur, comme si ton inconscient pouvait apprendre à lâcher prise, plus simplement, plus rapidement, comme s'il pouvait accepter plus simplement la vie et tous les événements qui l'entourent sans la moindre résistance, apprendre à être plus observateur et peut-être moins impliqué émotionnellement, pour pouvoir prendre les choses telles qu'elles sont, avec plus de légèreté, nous autoriser quelquefois à nous dissocier des événements, pour les observer avec de la distance et pacifier l'impact émotionnel. Nous souvenir que toutes les choses de la vie nous font évoluer et nous permettent de grandir, et qu'il ne tient parfois qu'à nous de pouvoir relâcher
certaines sensations internes pour incarner pleinement la sérénité, la lucidité et l'apaisement. Progressivement, ton inconscient va pouvoir comme apprendre à rationaliser certaines émotions pour pouvoir pacifier leur impact. Comme si toute l'énergie de cette île qui nous entoure pouvait conspirer à pouvoir inviter ton inconscient vers ce nouveau mouvement de relâchement instantané, d'acceptation et de prise de recul naturelle et profonde. Et alors tu vas toujours pouvoir observer ces couleurs, ces formes, ces énergies qui entrent dans le sac, jusqu'au moment où celui-ci va être rempli. Et alors à ce moment-là, tu vas pouvoir ressentir du bien-être et un profond relâchement, autant corporel que mental. Et peut-être que tu peux observer la couleur de ce sac à dos. Ce sac que tu vas pouvoir remettre sur ton dos, avec toutes ces ressources, toutes ces belles énergies que tu vas pouvoir emmener avec toi. Et alors désormais, ton inconscient va pouvoir retenir que, dès lors que tu percevras cette couleur dans la réalité, la couleur du sac, ce sera simplement comme le signal que ton inconscient va pouvoir sécréter toutes ces ressources présentes à l'intérieur de ce sac. Même si tu ne l'observes pas cette couleur consciemment, ton inconscient lui sait parfaitement comment faire pour solliciter des ressources à différents niveaux. Et automatiquement il va pouvoir générer toutes ces ressources en abondance dès lors que tu percevras cette couleur, inconsciemment ou consciemment, sous n'importe quel type de teinte. Cela pourra se faire naturellement et inconsciemment. Très bien. Et alors progressivement, toujours accompagné de ce sac présent sur ton dos, tu vas pouvoir à nouveau profiter de cette légèreté pour prendre ton envol et commencer à t'élever au-dessus de l'île, pouvoir l'observer vue d'en haut, et de la même manière pouvoir comme nous envoler au-dessus de la mer, ressentir les différents mouvements, ressentir une énergie particulièrement agréable qui circule à l'intérieur de nous, comme une envie de nous dire merci à notre inconscient, à cette île du relâchement qui nous accompagne dans nos aventures pour gagner en sérénité tout au long de notre réalité avec plus de simplicité, avec plus d'amour. Et alors progressivement, toujours en t'envolant dans les lieux que tu souhaites, tu vas progressivement pouvoir t'envoler jusqu'au lieu dans lequel tu as commencé cette expérience. Tu pourrais imaginer les paysages par lesquels tu passes, tout ce que tu peux découvrir sur le chemin, jusqu'à progressivement imaginer que tu commences à survoler ton pays, à survoler ta ville, à survoler le lieu dans lequel tu es actuellement installé, dans la réalité. Et alors tu vas pouvoir comme entrer dans cet espace et observer le corps confortablement installé, en train de vivre cette expérience particulière,
tu vas pouvoir comme te réinstaller à l'intérieur de ce corps, comme si tu venais fusionner avec celui-ci, comme si tu venais diffuser toutes ces belles énergies à tous les niveaux du corps et de l'esprit, pour que consciemment et inconsciemment tu puisses bénéficier de toute cette expérience et de tout ce qu'elle peut apporter à tous les niveaux. Progressivement, lorsque tu vas fusionner avec ton corps physique, tu vas pouvoir comme à nouveau ressentir ces sensations. Tu vas pouvoir ressentir les différents points de contact entre ton corps et toute autre chose. Tu vas pouvoir te souvenir de tout ce qui est présent autour de toi. Tu vas pouvoir ressentir tes mains, ressentir tes pieds, ressentir ton visage et commencer à faire de micro-mouvements pour pouvoir pleinement te réassocier avec ton corps. Avant d'entendre les sons environnants, les sons présents autour de toi, le son de ma voix qui t'accompagne avec cette musique qui progressivement va devenir de plus en plus douce, comme si on baissait légèrement le volume. Comme si on nous invitait progressivement à revenir dans notre instant présent. Avec une nouvelle énergie épurée, renouvelée, transformée vers un bien-être profond. Et alors en prenant tout ton temps, tu vas pouvoir à nouveau te réancrer dans ce lieu. Et lorsque tu seras prêt à ouvrir de nouvelles fenêtres vers une vie plus apaisante, plus résiliente et plus agréable, émotionnellement comme mentalement, tu vas pouvoir, en prenant tout ton temps et en suivant ton propre rythme, réouvrir les paupières pour revenir dans cet instant présent, dans cette réalité que tu vas accueillir avec un beau sourire et beaucoup d'enthousiasme. Bonjour. Si ce n'est pas déjà fait, je vais t'inviter à progressivement réouvrir les yeux pour revenir dans ta réalité. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir me partager ton retour d'expérience dans l'espace commentaire et peut-être t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines séances d'hypnose que je pourrai te proposer à l'avenir. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu as apprécié cette expérience et je te souhaite une excellente continuation. À très vite et prenons bien soin de nous.